à tous et à toutes, c'est Starpoint pour une toute nouvelle série qui se nommera Selenia sur le serveur de la Selenium, avec toute la team Selenium, enfin la plupart si je ne me trompe pas. Pourtant je suis tout seul, je pourrais faire l'introduction et commencer avec vous sur le mode Aether 2, entre autres. Il y aura peut-être plus à l'avenir, mais pour l'instant ça me convient très bien. Donc on va join le serveur. Login. Ah, et nous voilà sur le serveur. Donc on va, comme tout début de série, on va couper du bois. Je pense que les épisodes seront sur un format de 25 minutes, ça me paraît bien. 25 minutes, 30 minutes, on verra. Donc là c'est un ramassage de bois. Il n'y a pas grand chose de très important. Donc je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve après une ellipse courte pour vous mais longue pour moi. Et je suis en compagnie de Xena. Coucou. Et en compagnie de Monsieur Creeper. Bonjour. Donc si je suis avec ces deux personnes, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on compte faire une base tous ensemble. Avec un magnifique bordel de laser qui est ici. Il est beau. C'est le mien. Bref, du coup on va faire une base dans laser pour les trois. Moi au début je comptais faire une base. Ouh les diamants. Faire une base dans le monde normal, mais finalement ils m'ont convaincu d'aller faire la base dans laser. C'est donc, plus dur. Voilà. Du coup, tu peux me dire où est ton portail du Nether, s'il te plaît. Quoi, alors le portail du Nether, et ben il y a un long chemin à faire. De la bouffe, j'en ai pas sur moi. Je suis mort avec, j'avais quelques carottes. Donc entre temps, j'ai trouvé des villages, des temples, tout ça. J'ai trouvé quelques diamants, j'étais full fer en chance. Tout ça, voilà, donc c'était plutôt bien. Toujours plutôt bien préparé. Alors, où est ton machin? T'es passé où? Bah, attends, je suis peut-être à l'endroit où il fallait pas. Attends, j'arrive. Bon. Ah non, je sais pas, j'ai eu un bug, je t'ai pas vu passer. Ah. Viens. Il faut passer par là. Le portail, il est à la couche de l'opsy. Ah, possible, je vais voir ça. Viens. Descendre là, fais gaffe. Je serais bête de perdre des cœurs ici. J'explique aux gens que si je vais aller dans le Nether, surtout parce que. Surtout parce que je viens de mourir dans le dedans avec tout mon stuff, donc j'aimerais bien y retourner. J'ai déjà gagné dans le bastion, hein, donc du coup, là j'ai 20 vies pour aller l'explorer. Alors je t'annonce que je me suis trompé de chemin. Ouais, trop bien. Ça devrait être par là. Attends, je décompte. Hein. Certainement. Arrête d'avancer deux secondes. C'est juste, c'est par où le spawn? Oui, c'est bon. Viens en 100-300 à peu près. C'est pas là? Si, c'est là. Oh, t'as un chien. Ah bah non. Non, c'est pas le mien. C'est un loup comme ça. Il faut descendre par où? Ah oui, c'est là. Ouais, c'est là. Par là. Tac. Là. Tac. Voilà. Tu viens avec moi? Non, moi je vais rester là pour l'instant. Voilà, j'ai mon waypoint de mon portail qui a 322 mètres, ça va, c'est pas énorme. Du coup, hop, donc on y va. Bon, c'est pas trop loin, c'est pas trop loin. Ça. Creeper, toi t'es où là pour l'instant? Qui moi? J'arrive, je suis en train de me faire un bateau pour y aller parce que. Est-ce que vous êtes déjà allé à la surface ou pas? Quoi? Est-ce que t'es déjà allé à la surface? Ouais, il y a. Tu vas derrière toi quand. Attends, Ah, j'ai trouvé un autre portail. Je sais pas. Ah non, quoi, c'est peut-être le même. T'es dedans? Attends, j'arrive. Vu que j'étais parti. Vas-y, rentre dans. T'es dans le laser? Attends. J'arrive là, je suis où il y a. Je crois que j'ai trouvé. Sur les escaliers. Tac. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. J'arrive. J'ai l'épée swag. J'entends un casque qui me tire dessus. Ah, est-ce que ça peut s'enchanter les épées de laser? Oui, je pense. Ouais. Par contre, il faut traverser un lac de lave, c'est pas du tout pratique. Ah. Tu fais un bateau? Oh oui! Oh non, l'alarme est tombée. J'ai déjà un gars avec sa boule de feu et il est tombé dans la lave, c'est l'alarme. Ah. Par contre, j'aimerais bien traverser, mais je peux pas, il y a un lac de lave.
Et je vais bientôt plus pouvoir sprinter. C'est loin là où t'es mort? Non, non, c'est à 300 mètres. À 300 mètres. Par contre, j'ai pas de bouffe et j'ai tous les équipements sur moi, tout ce qu'il faut emporter. Oh bah, tant pis, je vais me démerder. Vu que là, moi, je vais préparer à aller dans les heures. J'ai fait un. Ah bah, il y a Flo qui part. Ok. Je me suis failli. Le mec, il pète un plomb. Du coup. Ah, j'avais plus à ma base, j'avais mes diamants et tout le bordel. Ouais. Donc, je vais essayer d'y aller rapidement. Ah, on a de quoi se faire des bibliothèques. PNJ. Bah, moi, j'avais ramené deux maisons de bibliothèque. Bah, moi j'en ai une encore. Toi, t'as du diamant creeper. J'ai une pioche en diamant. Ouais. Et j'en ai un. Ouais, moi j'ai une pioche en diamant, il m'en reste un aussi, je crois. Ah bah comme ça, si tu retrouves, on pourra faire une table d'enchantement. J'en ai déjà une dans ta table d'enchant. Ah. Ah ouais. Bah cool. J'arrive. Hein. Je traverse un long désert là. Je me balade et je trouve un portail du Nether, tranquille. Ah bon? Ouais, mais je vais pas traverser parce que je suis d'abord au mien. Ah bah, près du mien, il y a un gros bastion donc, que j'irai explorer. Alors, là tu vas bientôt retrouver ton staff? Ouais, 150 mètres là. Ok. Y a pas de lac de lave? Y'a pas la mer de lave plutôt? Je sais pas trop. Je suis à 150 blocs de... des positions du portail. Par contre, le bloc là, ça te galère. Y'a un biome neige. Ah, what? Ah merde, je prends des dégâts de la foule. What? C'est quoi ça? Ah oui, t'avais planté un arbre de laser, non? Merde. Ouais. Je prends des dégâts de la foule. Tu vois là Ah bah je te vois. Derrière toi. Si vous faites tab, vous verrez que je crevais progressivement. Bon, viens, on va dans les heures. Ouais, deux secondes. J'ai plein de trucs sur moi, par contre, faut faire un coffre direct. Mais je vais remourir en fait. On peut mourir de faim. Bah oui. Hein? Merde. Bah. Parti. Attends, est-ce que t'as encore de la place dans ton inventaire? Moi? Deux trucs. Attends, je te passe ça. Et ça par exemple. Ah, je vais mourir. Ah, mais... Et oh, non, on va y aller. Mais ça, c'est bon, il y en a plein partout là-bas. Et t'as de la ficelle toi? Moi, il me faut. Non, mais. J'en avais un petit peu si tu veux. T'en veux combien? Quoi? T'en veux combien? Pas mal. J'ai de la nether wart aussi et tout. Allez, oh, bah, y a plein de coffres ici. Et que je mange avant de tiens, elle est trop belle là quoi. C'est le truc de laser ça? Il faut. Avec 4 rushs de laser, t'en fais un. 2, je crois. On y va? Ouais, vas-y. Mais il est là, mourons pas. Attends, je me mute juste 2 minutes ça. C'est bon, je suis pas mort de faim. What? Les mecs? Ouais. Depuis quand les carottes, ça donne 4 barres de bouffe? 4... Les carottes? Ouais. Je sais pas. Ça donnait pas 2, en fait, à la base. Ah, ça, si doit être... ça doit être Laser qui rajoute ça, parce que j'ai pas ça... Ça ouais. Les 4. Et toi, t'enregistres encore, là? Ouais, je reste toujours. Ok. Bah, du coup, là, j'ai récupéré mon stuff, j'ai plus qu'un micœur. Je retourne à ma base pour récupérer mon stuff. Mon coffre. Ok. Espérons atterrir à ma base, c'est bon. Donc voici un peu ce que j'avais commencé. C'est pas énorme, mais bon. Hop. Et en fait, j'ai essayé de me sortir d'ici parce qu'il y avait des ânes et tout ça, des chevaux. Ouais, j'ai un peu miné, très légèrement. Je prends les patates, je prends l'or. On fera des champs de patates. Je prends les bouquins. Je suis là. Xenor, Bant, il est où le portail? Je ne trouve pas. Mais t'es où? T'es parti? Je suis parti loin. Je prends les ficelles, j'en prends 8. Reste là. Ouais, il était près de. Et oui. Je suis de la Netherwar. Ouais, mais reste là où il y avait l'arbre. C'est déjà bien. Ah, on fait le portail au-dessus? Non, mais remonte. Ouais, j'arrive.
Je vois des genres trucs partout là. Ouais, moi il me reste un James. Mais remonte, là t'es au portail du Nether. Je prends C'est un beaucoup plus haut. Je prends les flèches. Faut que j'en suis à remonter vous me aussi. dites si vous voulez que je prenne quelque chose. Les plumes, c'est important. Ouais. Non. Dans des yeux surtout. Si les plumes c'est important pour la Les sœur gens. d'Aken. Ouais. Bon bah je crois que c'est bon. Si je fais une erreur, je pourrais tout revenir. Et je prends bien sûr le lit. Qu'est-ce que j'enlève? La ghoststone. Je l'instack, ça suffit. Vous avez beaucoup de fer, vous? Ouais, presque un stack là, j'ai j'ai surtout. 39 sur moi et un lingot. J'en ai Si 25. j'avais pas oublié. Voilà. Ah, si j'avais oublié un lingot. Du coup, vous avez des carottes? Ouais. Ouais. J'en ai 8 et j'ai 11 J'ai farines des dans les champs. patates aussi, Ouais, moi. pareil, enfin les champs. Si on peut. Dans le désert. Si on peut, je Ah, mais crois. par contre, le problème c'est que. Bon, j'ai me démerdé pour rentrer. Parce Ouais. que j'ai pas marqué le waypoint à l'autre portail. Ah. Ah, Xenor, desnique-toi. Ah non, Bon, c'est là. le bastion Attends. ici, je laisse le portail comme ça. Parce que de toute façon, j'y retournerai. On y retournera à ce bastion. Parce que là, j'ai un demi-cœur, donc je préfère pas y aller. Ah, Il est où le portail? mais Ah remonte, non, il fait la. là, il est là. Mais on y va quand Starpony est là. De quoi? Ben, pour aller dans les heures, on t'attend. Ouais, j'arrive. Je marque C. Bastion. Top. Ouais, j'arrive. Il y a l'aspi. L'aspi quoi? Je vais mettre ma viande à cuire. Ah, Tac. ok, chez toi. Ok. Donc ouais, donc on va. Je pense que je vais faire une petite ellipse, le temps de les rejoindre et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur mon entretien, une petite ellipse. Je suis rentré. Vous voyez mes cœurs, je suis encore mort, magnifique. Et je suis toujours avec Xenor et Creeper et on va s'apprêter à aller dans le laser. Donc on y va. Ouais, on y va. On finit juste de débarrasser tous les coffres et on y va. En fait, on va tout débarrasser. Ouais, j'ai tout. Je te montre où on a fait. Ok. Alors, première fois que je suis dans le laser sur ce serveur. Voilà, c'est bon. Et je te vois pas. Moi je te vois. Attends, j'ai Attends, loupé. je découvre Vas-y, Reco. dis-moi. Là, non, ouais, c'est bon, Allez, viens. go, on y va. J'ai déjà fait quelques trucs. Oula, je suis tombé. Ah, dessus. Ouais, là-dessus. J'arrive. Par contre, Il y a des escaliers. niveau temps de l'épisode, j'ai aucune idée de combien on est. Je dirais, je sais pas, 15. 11 Là, mètres c'est les. 5. Ouais, c'est moi qui l'ai trouvé dans un donjon. Putain, ouais, je suis C'est ici mort. la base. Ouais, pour l'instant, mais c'est provisoire. Ok, bon, bah, je pose les diamants dedans. Attends, je pose la table d'enchante. Tiens, enchante-toi si tu veux. Tiens. Ok. Ces nuages là, ils commencent à me. Je peux me faire un petit stuff en. Ah bah y'a plus de dalit. Comment on fait ta sarbacane Zani? C'est à qui le Ben. stuff en. Ah c'est à toi le stuff en Ouais. Zani dans le coffre? Non, c'est à moi. Ah ok. Ouais. C'est à qui le. Comment on fait ta sarbacane s'il te plaît? Faut des trucs, des orbes d'or comme j'ai. Mais y'en a là. Ouais, bah prends. Et Creeper? après. Faut aussi. Ah oui, il faut deux planches et ça te fait une sarbacane. Et après, il te faudra aussi des sticks et des plumes pour les munitions. Putain, Ah, j'ai un oh! Feather Falling 1. J'ai vu un Cool. nuage. Creeper, qu'est-ce que tu fais dans le vide là? Je suis Oh! pas dans le vide. Ok, c'est des bugs. C'est des bugs de nuage. Tu peux me la faire, s'il te plaît? D'accord. Laisse-moi faire une aussi, please. Ou me dire Un le craft. sarbacane. Je sécurise le passage. Le nuage, il me voyait, il me faisait rien en fait. Hein. Comme ça, voilà. Et j'ai de la munition là? Non, t'as pas de munitions, on n'a pas de quoi en faire. Oh merde. Et vous avez du fil? J'en ai 8, tiens. Tu peux m'en donner? D'ailleurs, depuis que je vous ai repris, j'avais pas ce stuff. Donc j'ai miné un peu dans les heures et j'ai trouvé du zanite. Du coup, je me suis fait un stuff Qui est et l'équivalent de voilà. fer à peu près.
Ouais. Je Et fais le... plus il est usé, plus ça fait des dégâts. Ouais, c'est je comprends. D'ailleurs, une question... J'avais... ça sert à quoi, les Gold Amber? Gold Ember. Ouais. Il y en a beaucoup dans la mission. Ah ça c'est tu peux faire des sarbacanes et plein d'autres trucs. Oh. Du coup, moi, je voulais faire un champ de patates. D'ailleurs moi je vais vous Non, montrer un de peu haut. ce que c'est la sarbacane. Donc c'est comme un arc, sauf que on peut tirer à n'importe quelle distance, ça tirera toujours droit. Et ça tire à une cadence vraiment forte, je vous laisse voir. Oh, j'entends là. Vous pouvez le voir. Donc c'est pas mal, on peut dire que c'est un arc amélioré. Bon, bien sûr, les munitions, elles sont quand même plus dures à crafter. Enfin, quoique... c'est pas si dur à crafter. J'ai utilisé quelques os hein, pour faire des carottes. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je peux enchanter ça? Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux rajouter quoi? La Pick Slayer, la dague, qui Ah, s'use pas. je pense pas. Ouais, elle s'enchante pas. Du coup, il faudrait trouver un endroit où aller parce qu'on va pas rester sur cette île tout le temps. Et puis, je vais faire. Hop, ouais, du coup, moi je vais miner un petit peu de zanine de mon côté, je pense. Parce que j'ai pas vraiment de mine. Oh, ouais. Donc, ouais, on a un Votoy Twix, que je vais parler. D'ailleurs, je vais récapituler les mods que j'ai installés, puisque j'ai pas tout dit. Alors, j'ai Res Minimap, comme vous pouvez le constater à côté. J'ai Inventory Twix. Et j'ai bah, le Modelizer, bien sûr. Et je crois que c'est tout, non? Je sais plus quel. Je sais Et pas. Optifine, bien sûr. Voilà, je crois que c'est tout. Donc Donc, là, comme vous... ce que je mettrai sans doute en description, si je l'oublie, n'hésitez pas à le dire. Oula! What? Ouais. Oh! Pourquoi j'ai accéléré d'un coup? Je sais pas. Y'a pas du coup qui sort en dessous là? Je sais pas. Aïe! Pardon. Fais Mais gaffe. c'est les nuages, ils entrent et... Ils font Ah ça. oui! Et moi, je me suis fait un parachute. Je pense qu'il y a un nuage qui m'a attaqué. Ouh! Ouais. Un nuage! Oh! Ah Pas ouais, mal. les nuages, dégage. Ah, il y a des nuages qui m'attaquent. Comment tu t'es fait un parachute? Avec... Ah, il y a des Ah, parachutes. c'est à usage unique, par contre. Ah oui, les parachutes, c'est un truc qu'il n'y avait pas dans l'ancienne version de la laser. Attendez, il le Et rajoute. c'est quoi? Ouais. Bah, ça te permet de pas avoir de dégâts de chute, donc tu peux bah, sauter dans la dimension normale sans te prendre de Oh, dégâts. les zanites, c'est bon, ça t'a ramé. Tiens. J'ai un full stuff en zanite. Moi, j'ai même pas de Moi aussi. zanite. Donc... je pense qu'il y a une petite utilité dans de approprier, de m'habituer à cet endroit hostile qu'est Lizer. Et je vous retrouve après, dès que ça les choses ont un peu avancé. Allez, à tout de suite. Et de retour en ce moment, je vous retrouve après une petite ellipse, juste pour vous faire un point de là où on en est. Donc on continue de miner au petit hein, dans Lizer. Et je viens de tomber sur de Gravikit, il n'y a pas longtemps, qui est le meilleur minerai, c'est ce que j'ai entendu. J'en ai eu deux. Xenor lui en a eu un, mais je l'ai ramassé parce que... Il est littéralement tombé dans la Et laser. Et oui. en dessous de la laser, on meurt pas, c'est pas comme le void. Là, si on meurt. Si on meurt, mais ça dépend. En gros, c'est pas comme le void du monde normal. Ça va être, on tombe dans le monde normal. Puisque laser est considéré comme le paradis, on peut dire un truc. On peut dire. Je pense qu'on peut le Appeler ça considérer. comme On ça? peut le considérer comme ça, ouais. Et en gros, on tombe de la laser et on tombe dans le monde normal. Et si tu tombes sur la terre, bah tu meurs. Voilà, donc c'est juste pour faire un point de où on était. J'ai toujours pas trouvé le zanite. J'ai trouvé un petit peu d'ambrosium, donc la gravitite, pas de Moi j'en ai surprise. 5. Et donc voilà, et je vous retrouve dès qu'il y a du nouveau. Allez, à tout de suite. Et de retour, tout le monde se trouve toujours en compagnie de Xenor. Ouais. Pour vous, c'est vraiment très très court. C'est juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, comment obtenir du gravitite. Gravitite. Gravitite, c'est un peu le meilleur minerai qu'on peut avoir. Parce que je crois que c'est ça. Mais vous le trouvez, vous le minez. Mais par contre, ça vous donne en minerai. Vous n'avez pas les lingots. Et pour avoir les lingots, c'est pas à faire fondre dans un four spécial ou quoi que ce soit. Faut utiliser le altar qu'on peut voir ici. Qui se craft, je vais vous montrer. Voilà, ça sera prêt. Qui se Qui se craft. craft par Xenor. Qui se craft comme un four, comme cela, et au milieu vous mettez du zanite. Mais là j'en ai pas sans moi, c'est ça du zanite. Vous mettez au milieu ça, vous aurez un altar que vous poserez pour obtenir
ça, de la gravitite, non, de Enchanted Gravitite, qui est en soi, regarde, je montre. Comme c'est un lingot, en gros, on peut crafter avec, voilà. Faire ça. C'est pareil. Et pour obtenir ça, il faut mettre 4 Ambrosium Shards. Et puis mettre le bloc de Gravitite. Que je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble parce que j'ai déjà tout transformé avec mon épée en Gravitite Charmless One. Et voilà, donc c'est juste une courte ellipse pour vous expliquer comment ça marche. Et je vous retrouve après pour conclure l'épisode, à mon avis. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour clore l'épisode. Et vous pouvez voir que mon stuff a légèrement changé. Enfin, toujours à full iron déjà. Mon stuff commence à être fait en zanith. Mon épée est Gravitite Sharpness One. Vous avez déjà vu avant, si je me trompe. Et bien sûr, notre nouveau joujou, la Healing Stone. Voilà, en ultra hardcore, hein, c'est magnifique. D'ailleurs, tu m'as pas rendu la mienne. Ah oui, tiens. Voilà. Donc, ça se craft vraiment très facilement. Merci. Je vais vous montrer comment faire. C'est rien de très sorcier. Alors, voici le altar que je vais vous montrer comment on craft tout à l'heure. C'est vraiment l'atelier magique, n'est-ce pas? Ah oui, très magique. Voit, vous mettez 3 ambrosium dessus et vous mettez tout simplement une healing stone. Et voilà. Non, une holy stone, pardon. Et voilà, ça vous crée une healing stone. Et là, du coup, c'est Xenor qui l'a récupéré, mais c'est pas grave, je te la laisse. Merci. Et voilà, donc du coup, bah, on est plutôt bien prêt. Et je pense qu'on va clore l'épisode ici. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et poster un commentaire. Et je vous retrouve bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.